Ingénieur de recherche, je développe des machines pour tester des médicaments. Je travaille au sein d'une unité de recherche de l'INSERM. Cette unité, elle est composée de biologistes, d'ingénieurs, de médecins, de techniciens. J'ai une activité en propre qui va être une activité vraiment d'ingénieur pur, donc ça va passer devant l'ordinateur. J'ai plus un travail de conception d'expérience. J'apporte des moyens technologiques aux biologistes ou aux médecins. Donc on travaille sur des souriceaux nouveau-nés. Donc l'objectif de nos recherches, c'est de comprendre comment les enfants respirent et de comprendre pourquoi, parfois, leur respiration ne correspond pas à leurs besoins. Généralement, je veux plutôt assister à des expériences qui sont faites par les gens de notre équipe, puis éventuellement donner des consignes ou poser des questions, réfléchir à comment faire au mieux. Se lancer dans la recherche scientifique, je pense que c'est une très belle carrière. Parce que je pense que ça va être de plus en plus excitant de travailler dans la recherche scientifique. De plus en plus, on développe des outils qui sont incroyables. On a accès à des technologies vraiment d'une performance inimaginable. Quand il y a quelque chose qui se passe, qu'on observe quelque chose qu'on n'a jamais observé, qu'on a une expérience qu'on monte depuis des semaines et qui fonctionne, ça nous arrive dans le laboratoire de crier, de se taper dans les mains. Je pense que c'est très important dans la recherche. Le fait qu'il y ait une bonne ambiance dans le laboratoire, je pense que ça fait la moitié de la qualité du travail. Le conseil que je donne souvent aux stagiaires qui viennent dans notre équipe, c'est de penser à leur futur environnement de travail, de réfléchir avec qui ils ont envie de travailler, quelles relations ils ont envie d'avoir dans leur travail. Est-ce que c'est des relations de confiance? Est-ce que c'est des relations de performance?